No, the fuck. Hey, shit. It's live. Merci, Marcelo. Ben oui, non, ça, je suis parti live sans que je m'en rende compte. Fait que, hey, bienvenue, bienvenue. Désolé. Très drôle. Désolé, désolé. Après 2 semaines, j'avais comme perdu la twist. Donc, je casse ici. On va s'ajuster comme du monde. Bienvenue, bienvenue tout le monde à Deal en direct. Je vais m'ajuster. Là, j'ai des clés à rentrer. Puis là, je m'attendais pas à être live direct. Donc. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fallait que je colle ça ici. Copier. Puis je le mets où après? Je le mets où? Ouais, là, je peux pas tout vous répondre en même temps. Je suis désolé, ceux qui m'écrivent sur le chat, RDP. OK, mais là, je le mets où dans Zoom? Là, c'est la bonne question. Bonne question. J'ai fait la boulette. De toute façon, je suis un petit peu d'avance. Donc, j'ai un petit peu d'avance. On va commencer à midi. Donc, faites-moi un petit bonjour pendant que vous êtes là. Si vous êtes là, dites-moi un petit bonjour. Je vais aller voir si on est dans les autres groupes. Page Facebook, merci. Prospecteur. OK, yes, sir. OK, parfait. Donc, je vois que vous êtes 8 sur Facebook. Excellent, dans le groupe. Donc, je dois mettre un lien quelque part et je ne suis pas trop sûr de où le mettre. Vois pas où mettre les liens. Mon équipe, ma fidèle équipe qui est là, fidèle au poste. Donc aujourd'hui, gang, pendant que je finalise mes petits problèmes techniques, on est à Deal en direct. Donc, Deal en direct, c'est quoi? C'est un show que je donne à tous les semaines, le mardi midi. Quand je donne un show, c'est parce que c'est vraiment, en fait, dans tous les coachings que je fais en immobilier, bon, du café sur le bout du nez, ça va bien. Le coaching que je fais en immobilier, quand j'analyse des dossiers avec vous, si je le qualifie, je le disqualifie, je l'archive ou j'entame une action de prospection. Donc, tout mon processus d'analyse, comment je qualifie un deal, ben, c'est ça que le monde me demande le plus. Donc, je fais un show de ça. Donc, aujourd'hui, je m'en vais dans la région de. Je me simule que je m'en vais dans une nouvelle région à chaque semaine. J'ai pas d'argent. Je commence en immobilier. Je recommence en immobilier, plutôt, je devrais dire, j'ai pas d'argent. Donc, je commence la prospection. Puis le but, c'est de qualifier 20 dossiers en 1 heure de sous vos yeux pour entamer une action de prospection, pour avoir déjà un plan de match. Puis, selon mon expérience, une fois que tu as mis ta machine en place, que tu as commencé à générer des leads, que tu as commencé à mettre une machine de prospection en place, ben après ça, c'est pas une question de si tu vas réussir. Si tu vas signer un deal, c'est une question de quand. Donc, habituellement, quand je commence à faire de la route, quand je commence à envoyer des lettres, au bout de 2, 3 mois, je commence à avoir de l'attraction. Je commence à avoir mes premières lettres commencent à rapporter des appels. Les appels se transforment en rendez-vous. Les rendez-vous se transforment en promesses d'achat soumises. Et plus on soumet de promesses d'achat, plus on va faire de deals au final. Donc, ça prend 2, 3 mois à avoir de l'attraction. Un petit peu de chance pour être capable de signer un deal dans ces intervalles-là. Mais j'en ai qui l'ont fait, je l'ai fait, donc c'est possible de signer un deal dans les 2, 3 premiers mois. Mais ce que je dis, c'est que ça va prendre 2, 3 mois avant d'avoir de l'attraction, avant d'avoir un momentum. Puis après ça, au bout de 6 mois, vous allez faire une transaction. OK, on ne sait pas quoi. On ne sait pas si ça va être 5 000 ou 20 ou 100 000, mais si vous faites ce que je vous dis de faire, si vous prospectez, si vous mettez une machine de prospection hors marché en place, c'est sûr que vous allez faire une transaction dans les 6 prochains mois. Donc, parfait. Est-ce que vous m'avez répondu, messieurs? Donc, je vais essayer de régler ce petit problème-là. Je dois partager un lien pour être en mesure de que les différents
les vidéos sur les différents channels que je poste. Donc aujourd'hui, je confirme, aujourd'hui, on est le 19. Aujourd'hui, on est dans la région de Rive-Nord de Montréal qu'on s'en va. Donc, je vous confirme, région de la Rive-Nord de Montréal. Donc, il faut que je rentre la URL. OK, je vais commencer par ouvrir le chat Restream, ça va être bon. Je vais pouvoir regarder tout en même temps. Parfait. Et je te dis, il y a 2 semaines, puis j'avais déjà tout oublié. Donc, hello la gang. Donc, qui est là aujourd'hui? Dites-moi un bonjour de où vous venez. Donc, vous pouvez me répondre sur YouTube, sur Facebook. Donc, de quel coin vous êtes, de quelle région vous êtes? Vous êtes gêné, vous êtes timide, mais c'est pas bien grave. Fait que, si vous avez des questions particulières aussi sur la prospection, ça peut toujours être cool aussi, question de changer un petit peu la dynamique, de me poser des questions spécifiques sur la prospection. Donc, on a Jen qui vient de Joliette. Donc, salut Jen, Facebook user, salut. Donc, bien content que vous soyez avec moi. Rivière-Rouge dans le bout de Québec, ça je pense, Rivière-Rouge. Donc, parfait. Écoute, équipe, mon prospecteur, je suis désolé, gang, mais ça n'a pas rentré dans mon cerveau encore, ça a l'air. Donc, je ne sais pas où il faut que je partage les liens et le stream key. Marcelo, je sais pas si tu m'écoutes, là, tu peux me répondre sur Messenger ou Mathieu, parler avec Mathieu, mais je sais juste. Je viens de voir ton message, Mathieu. Donc, c'est ça, les gars, je ne sais juste pas où mettre le lien comme tel. Donc, ça avait l'air d'être bien simple, copie-coller tantôt, copie-colle, mais ça l'est pas mal moins que. Ça l'est pas mal moins rendu dans le feu de l'action live. Donc, ceci étant dit, Edit Edition. Ben non, je ne sais pas quoi faire. Donc, désolé Mathieu, je sais que tu as travaillé fort là-dessus, mais. Fait que des questions entre Mont-Tremblant et Mont-Laurier, parfait. Saint-Hubert, Jesus Camacho, parfait. Salut, gang. J'ai une question de Al Sodan. Donc, on peut commencer avec ça. Salut, quelles sont vos prédictions pour le marché immobilier pour les 3 à 6 prochains mois? Et boy, oh boy, quelle question. J'aimerais tellement avoir une boule de cristal. Écoute, 3 à 6 prochains mois, c'est extrêmement court. Je pense pas qu'il va arriver grand-chose dans le sens que là, les taux d'intérêt augmentent significativement. Donc, ça va avoir un certain impact, évidemment, mais je pense pas qu'à 3 à 6 mois, on va le sentir, on va le voir. Moi, je sais qu'actuellement, je suis en train de financer la construction de 2-6 logements, puis ça, je peux dire que ça affecte beaucoup, là, dans le sens que les valeurs économiques ont complètement changé là, avec les nouvelles politiques de financement puis les augmentations des taux d'intérêt. Par contre, la SCHL a mis en place une belle... Je suis en train de regarder ça vraiment de très, très, très près, là, la nouvelle... j'oublie le nom, mais le nouveau produit de la SCHL, justement, là, qu'on peut aller chercher jusqu'à 50 ans de sur le terme et jusqu'à 95 % de financement, donc sur les constructions de multilogements. Donc, ça, c'est très intéressant. Sinon, écoute, Al, il y a eu beaucoup moins d'avis de 60 jours depuis le début de la pandémie. Là, les taux d'intérêt augmentent, l'économie va super bien, mais beaucoup d'inflation. Moi, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir beaucoup de défauts de paiement dans les prochains mois, que tous ceux qui avaient mis en pause dans les derniers... APH Select, Gabriel, exactement ça, APH Select, on en a parlé tantôt. Donc, APH Select, le problème de la CHL. Donc, ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de défauts de paiement dans les prochains mois. Donc, ouais, la roue, les subventions ont fini par arrêter. Je pense que l'économie, il y a certains secteurs qui sont encore très ralentis, disons-le ainsi. Donc, mais je ne pense pas qu'il va y avoir quelque chose de majeur dans les 3 à 6 prochains mois, Al, comme tel. Tu sais. Mais ce qui est sûr, c'est que tu sais, moi, j'ai fait l'immobilier depuis 2010-2011 à peu près. C'est sûr que j'ai toujours eu affaire avec des taux d'intérêt là, très, très, très bas. Je pense que c'est quand même une première depuis une quinzaine d'années là, que les taux d'intérêt vont être à la hausse comme ça. Ça va changer la dynamique. Mais tu sais, dans toutes les, que ce soit récession, les périodes plus haussières, etc., il y a toujours une façon de faire de la business. Il y a toujours un angle à aller chercher. Il y a toujours des opportunités qui vont se présenter à qui sait les reconnaître finalement. T'sais. Fait que moi, je ne suis pas inquiet. Si tu avais une sous-question, c'est le temps de commencer, c'est le temps de partir plus tard, whatever, en immobilier, il faut toujours que tu partes hier. OK? Parce qu'il n'y a aucune chance que les propriétés perdent la valeur à long terme, là, particulièrement au Canada, particulièrement
pas particulièrement, mais au Québec. Donc, c'est maintenant, il faut partir, Al. Il faut jamais attendre. L'immobilier, c'est tout de suite. Tout de suite, il faut que ça commence. Bon, parfait. Fait que, bonne question. Si vous en avez d'autres comme ça me fait plaisir. Sinon, entrons dans le vif du sujet. Donc, on va aller sur mon compte, mon prospecteur. Donc, j'utilise. Évidemment, on peut prospecter hors marché de plein de façons différentes. Évidemment, je privilégie la plateforme Mon Prospecteur parce que c'est juste le plus simple, le plus facile, le plus efficace. Donc, mais on peut le faire avec JLR, on peut le faire directement du registre foncier. Mais la plateforme Mon Prospecteur, évidemment, nous donne énormément de. Nous en donne beaucoup plus, que ce soit les data, les informations qu'on a besoin, mais de toute l'analyse, la structure qu'on vous présente, ça fait beaucoup aussi. Évidemment, tout l'écosystème qu'on vous offre, là, donc vous pouvez revendre vos promesses d'achat, vous pouvez trouver un prêteur privé, donc tout avec les onglets ici, toute la communauté qu'on a créée. Évidemment, on est beaucoup plus complet, on est un site web fait par des investisseurs pour des investisseurs. Donc, évidemment, on est beaucoup plus complet. On est beaucoup plus complet que. On est le meilleur site, dans le fond, de data immobilière hors marché au Québec. Donc, première chose qu'on fait quand on ouvre un compte, il faut créer des alertes. Okay? La première entrée de lead sur la plateforme, quand j'ai un lead en bon français, un filon, une opportunité, un dossier, bref, il faut générer des leads. Donc, là, aujourd'hui, je disais qu'on est sur la rive nord de Montréal. Donc, on va aller. Moi, j'ai fait plusieurs alertes, évidemment, un peu partout au Québec. Je vous suggère pas vraiment de faire ça parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. Donc, moi, c'est vraiment pour les besoins de mon deal en direct. Donc, rive nord de Montréal. Fait que je vais aller voir mon alerte. Là, voyez-vous, mon alerte rive nord de Montréal m'a généré 972 dossiers. Donc, c'est énormément de dossiers. Donc, c'est parfait pour faire du contenu comme je fais aujourd'hui. Donc, les alertes. On va aller voir ici. Donc, mes alertes, c'est là qu'on les crée. Donc, on va voir mon alerte Rive-Nord de Montréal. On peut aller voir les paramètres. À tout moment, on peut les modifier. Donc, j'ai ratissé large. Hein. On peut aller voir la map. J'ai ratissé très large. Fait que je vais chercher jusqu'à Saint-Jérôme, Repentigny, puis je vais aller ramasser tout le Oka et compagnie. Donc, moi, je l'ai fait vraiment pour aller chercher du contenu pour vous autres. J'ai tout cliqué les types de propriétés, tout cliqué les types d'avis et j'ai sauvegardé. Puis cette alerte-là me génère 200, en moyenne 237 nouveaux dossiers par mois. Je ne sais pas si vous savez, gang, là, mais gérer, ça ne donne à rien faire des alertes de 237 dossiers comme je fais là si vous n'êtes pas capable de traiter, vous n'êtes pas capable de gérer, vous n'êtes pas capable de faire une action de prospection pour ces dossiers-là, finalement. Tu sais. Donc, puis je vous dis, 237, si tu n'as pas de méthode, tu n'as pas de système, tu ne seras jamais capable de traiter ça demain matin sans mon aide, là, parce que, ou sans l'aide de la plateforme. C'est-à-dire que c'est la job. Là. Il y a beaucoup de jobs pour gérer 237 alertes. Là. Donc, parfait. Donc, ça, c'est la base. Donc, moi, l'alerte est créée. Maintenant, retournons dans mes dossiers. Retournons voir mes propriétés. Donc, je vais commencer par qualifier. Je travaille tous mes dossiers différemment, moi, OK? Parce que j'ai plusieurs façons de prospecter. J'ai plusieurs types d'actions de prospection que je peux entamer aussi sur un dossier. Donc, par exemple, si vous dites, OK, moi, je vais aller cogner à ces 972 portes-là, c'est une très mauvaise décision. vous n'allez jamais y arriver. Donc, il y a des choses plus intelligentes que d'autres affaires que je vais vous montrer. Okay. Fait que, premièrement, 972 dossiers, c'est énorme. Je vais aller les subdiviser en types d'avis. Je vais chercher juste mes successions. Okay, je devrais en avoir énormément, genre 600, 700 à peu près. Ah, 400. Donc, j'ai beaucoup, c'est ce qu'on a le plus, les successions. Donc là, elles sont toutes ici. Elles sont toutes listées. Okay. Il y en a qui ont beaucoup d'informations. Okay. Il y en a qui ont des indices. Il y en a beaucoup qui ont des indices. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement pertinentes pour nous autres. Regardons un petit peu ça. Je vais commencer par faire un petit peu de ménage. Okay, parce que là, mon équipe, on a cliqué tout. Okay, fait que là, j'ai même des stationnements intérieurs, j'ai même des unités privatives. Ça, c'est des lockers de condos. C'est tout relié à la même succession, d'après moi. Il y a 57 rue Saint-Pierre, 53 rue Saint-Pierre. C'est probablement unité 715. Bon, bref, c'est probablement toute la même succession, cette affaire-là. Puis là, il y a les unités privatives aussi. Tu sais, ça t'intéresse d'acheter un locker? La réponse est non. Fait que ça, deux choses. Fait que je peux les traiter manuellement comme ça. C'est long. Je n'ai rien à faire avec ça. Là. Je ne prospecte pas, comme je dis. Fait que je vais carrément les supprimer. Je supprime. Et ce que je vais faire, simplement, pour la prochaine fois, je vois ce qui va être encore plus intelligent à faire. Je vais retourner dans mes alertes. Je vais aller dans mon alerte Rive-Nord.
puis je vais les enlever. Je vais enlever autres, parce que c'est autres qui me génèrent les unités privatives, et je vais enlever les stationnements aussi. Donc, ça va m'éviter d'en recevoir des dossiers que je ne veux pas. Regardez, voyez-vous, ça a descendu un petit peu ici. Là. Je suis passé de 237 à 229 dossiers. Donc, ça va juste enlever un petit peu de bruit sur la ligne, là, comme j'aime bien dire. Là. Donc, on peut y aller directement comme ça aussi. Parfait. Donc, continuons. Sinon, je l'ai fait manuellement à même mes alertes. Donc, retournons à ce qu'on était. Rive-Nord, succession. Hey, succession, là, pour moi, guys, c'est super simple, OK? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de dossiers, c'est énorme à gérer. Donc, bien souvent, les successions, en plus, ben, la propriété est dans ton secteur. Donc, la propriété, c'est la Rive-Nord de Montréal. Mais ça ne veut pas dire que les héritiers sont sur la Rive-Nord. Les héritiers peuvent être ailleurs, tu sais. Donc, c'est sûr que... ça peut être difficile à cogner aux portes. Là, donc, on peut en ouvrir un juste pour le fun. Le gars, ici, là, ce qui est le fun avec mes indices, ici, c'est qu'elle a été 40, elle en a 3. Là. Fait que, ici, moi, je sais que cette succession-là, écoutez ça, comment c'est de la bombe, ça. Là. Cette succession-là, là, un, il n'habite pas là. Okay, les héritiers n'habitent pas là. Deux, il y a plusieurs propriétés mentionnées dans la succession. Puis trois, mais sont plus qu'il y a deux héritiers. Okay? Donc ça, on va vous le dire, là, c'est des vendeurs extrêmement motivés, okay, pour toutes ces raisons-là. Fait que c'est sûr qu'une stratégie pour vous pourrait être d'envoyer du mailing à tous les gens qui ont des indices. Okay? Le taux de succès, le taux de retour sur vos lettres va être un petit peu meilleur. Mais ça ne veut pas dire que ce dossier-là n'est pas bon non plus. Okay? Ben, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'indice qui n'est pas bon, mais si on a les classés, c'est évident que ceux qui ont des indices et ceux qui en ont plusieurs ben, deviennent des dossiers vraiment avec des gens qui sont très motivés à vendre. Tu n'habites pas là, tu as plusieurs propriétés, puis vous êtes plusieurs dans la succession. On va dire, il n'y a pas 36 000 façons de faire les choses. Là. Vends, liquide, puis c'est peut-être l'argent à gang. Ça va être bien plus simple pour tout le monde. Donc, moi, je ne me casse pas le BC, gang. Clic, clic, clic. Fait que je pourrais toutes les cliquer manuellement. Donc, mettons, je ferais l'exercice là, de juste mettons, cliquer. Je commence, je n'ai pas beaucoup de budget, donc je me dis, c'est-tu quoi? Je vais vraiment maximiser mes chances. Je vais juste envoyer ça à ceux qui ont des indices. Ça va m'en faire un petit peu moins. Puis, mon taux de retour sur mes lettres va être un petit peu plus élevé aussi, peut-être un 4-5% au lieu de 2-3. Donc, tu sais, ça fait du sens comme call. Fait qu'on fait ça. Puis là, je peux en cliquer des centaines, là, mais c'est pas vraiment le but de l'exercice. Là. Oh, intéressant ici, regardez ça. Il y a un autre indice qu'on n'avait pas vu encore. Ça veut dire que le terrain fait plus que 10 000 pieds carrés. Donc, peut-être une possibilité de subdivision. Donc, moi, je suis un entrepreneur, je construis du neuf, où je me cherche carrément des terrains. Ce qui est écœurant avec les terrains, c'est souvent qu'on peut optimiser. C'est-à-dire que oui, il y a une maison qui est là, mais on peut la démolir, on peut subdiviser le terrain, en construire deux, en construire trois. On ne sait pas. Construire 24, comme je suis en train de faire. Pas 24 maisons, mais 24 unités de logement. Puis, donc, ça peut être super intéressant. Les entrepreneurs, les gars qui font du neuf, ce genre d'indices-là peuvent représenter vraiment de la bombe pour vous autres. Là. Donc, parfait. Fait que là, j'en ai cliqué une cinquantaine. Donc, là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les exporter. Donc, ça, c'est des facilités, parce que c'est bien beau, là, les leads qu'on a là. Mais là, comme je dis, il faut entamer une action de prospection. Tu as bien beau les voir, puis dire, hey, belle succession, hein, 3 indices, wow, super. Si tu ne fais rien avec, je peux te le dire tout de suite, il n'y a pas grand-chose qui va arriver pour toi non plus. Là, on s'entend. Fait qu'il faut que tu fasses une action de prospection. Donc, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de télécharger tous les dossiers à un beau fichier Excel. OK. Je vais faire mon partage d'écran de façon adéquate. Laissez-moi aller chercher ça de la bonne façon. Partager. Donc là, tous les dossiers que j'ai cliqués se sont tous mis sur une belle fiche Excel. Okay? Donc ça, je vais l'appeler mailing 19 avril 2022. Et tous les dossiers que j'ai sélectionnés sont tous ici. Okay? Tous les noms complets, le nom de famille, le prénom, le nom de famille, l'adresse, la rue, etc. Tout parfaitement prêt pour faire du public postage. Oh, pardon, excusez-moi. Faire du public postage avec Words. Donc, vous allez sur dans l'onglet ici, apprentissage. J'ai fait une formation sur... en fait, Quentin a fait une formation sur comment faire du public postage. Vous allez gagner à peu près 2-3 heures par semaine en faisant du public postage de cette façon-là. Donc, je regarde ça, j'ai ma liste. Je ne m'éternise pas là-dessus. Donc, là, voyez-vous, il y a des doublons. OK? Donc, il y a deux héritiers ici. On le voit, on peut le voir aussi par que c'est le même numéro de cadastre hein, ici. Donc, on voit que c'est le même numéro de cadastre, la même propriété. Évidemment, ça arrive très souvent que c'est légué. Donc, on peut faire un petit peu de ménage. Donc, je vais effacer, par exemple, ici.
Les deux ici. Moi, j'ai vu autre chose qui m'intéressait. J'ai vu des fiducies familiales, des fondations. T'sais. Habituellement, quand tu lègues à une fondation, c'est parce que tu veux qu'elle fasse des sous avec l'argent de la vente. Donc, elle n'ira pas vendre à rabais, la fondation. Donc, ce n'est pas le genre de dossier que moi, je vais prospecter. Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Donc, les gens font ils lèguent à des organismes, donc pour faire des sous, c'est super, j'approuve. Mais par contre, c'est pas super bon pour nous autres. Bon, bref, vous comprenez, je fais un peu de ménage. J'ai un autre deux doublons ici. Donc, je fais un peu de ménage, puis après ça, moi, pour ma part à moi, je sauvegarde, puis j'envoie ça directement à une compagnie qui fait du publipostage, qui fait en fait du service postal, puis qui font tout envoyer ces lettres-là. OK? Petit truc à 1 000 $, ce que je fais ici, c'est que je rajoute mon nom en bas avec mon adresse. C'est mon mécanisme de contrôle. Donc, pour savoir quand est-ce que mes lettres partent, fait que je vais mettre un beau Lacasse, Jean-Nic, avec mon adresse. Oh, regardez ça, c'est particulier, ça, juste en haut. Une succession qui lègue à une succession. Fait que ça peut être intéressant, ça. Donc, les deux décèdent en même temps. Donc, je m'envoie une lettre à moi-même, comme ça, je sais à chaque fois quand que je reçois une lettre, ben, je sais qu'il y a une de mes envois qui est partie. Donc, je me rajoute sur ma façon de contrôler le mailing, vu que c'est une tâche que je délègue à une équipe externe de ma compagnie. Donc, parfait. Fait que c'est 5 domaines. Là, je viens d'envoyer dans ce cas-ci ici. Regardez. Juste manquer un clic quelque part parce qu'il y a bien plus de dossiers que j'en ai cliqué. Hein. D'après moi, j'ai oublié, j'ai tout fait imprimer. Fait que voyez-vous, là, avec ce dossier-là, j'aurais pratiquement 446 lettres, là, un petit peu moins qui partiraient. Donc, j'aurais 446 lettres. Question de Facebook. Ah, oh, ouais, puis il imprime tout pour toi et pose toutes les lettres. Ben oui, c'est ça. Ça me coûte à peu près, ça a beaucoup augmenté, Facebook User, je ne sais pas ce que ton nom, mais ça me coûte à peu près selon le type d'envoi. Fait que c'est sûr qu'envoyer une postcard, juste une carte postcard, là, donc je n'ai pas vraiment de bon exemple, là, mais postcard, là, on s'entend là, un genre de postcard, là, un genre de truc comme ça, là, ça coûte beaucoup moins cher. Envoyer une lettre, tu sais, donc papier, enveloppe, donc plié en trois, liché, timbré, ça, il y a beaucoup d'actions de mailing, donc ça va coûter beaucoup plus cher. Mais Marc-André, tu sais, de manière, je veux dire, moi, j'aime bien mieux payer 2,25, 2,50 la lettre. Puis quand je fais mes métriques, quand je fais mes KPI, bien, ça vaut la peine parce que, tu sais, mettons, on jase là, sur ces 400, mettons 400 lettres, là, faire un beau chiffron, sur ces 400 lettres-là que je vais envoyer là, OK? Là, évidemment, je vais me prévoir du temps parce que là, envoyer ça le lundi, absolument, j'essaie d'envoyer le lundi, mardi. Pour que ça arrive quelque part vers le jeudi, vendredi à la résidence des gens, pour qu'ils s'assient là-dessus pendant la fin de semaine et qu'ils m'appellent. Ça, c'est mon timing. J'exemple bien parce que je fais partie de mon mailing le mardi. Donc, là, le téléphone va sonner. Là. Fait que là, sur ta lettre, il faudrait un call to action. Okay? Fait que là, si tu n'as pas de call to action sur ta lettre, un call to action, c'est soit ton numéro de téléphone, soit ton site web. Fait que, puis je vous le dis, 400 lettres, là, ça va me générer à peu près. Je dirais un 5%. Mettons, il y a là qu'un 5% d'appel. Okay? Marc-André, tu me parlais de mes métriques. Allons-y avec un 5%. Là. Ma lettre est sharp, et les mots sont wise, la couleur du papier. Puis 5%, c'est un nastique de bon taux d'ouverture, de bon retour. Okay? Donc, faisons le calcul pour le fun, guys. J'envoie 400 lettres là. Je vais recevoir environ 5% de retour d'appel. Fait que fois 0,05. 5. Fait que je devrais recevoir une vingtaine d'appels sur ces 400 lettres-là. Okay? Fait que sur ces 20 appels-là, disons que c'est pas bien 20, 400 fois 0,05 égale. Ouais. Fait que une vingtaine d'appels. Okay? Fait que sur ces 20 appels-là, ce ne sera pas tout bon. Okay? Je vous l'ai dit, je vais me faire insulter probablement 4-5 fois. Puis, sur les 20 appels, ils vont me dire « T'es qui toi? Comment ça que tu sais que j'ai hérité? » T'es un pourri, tu fais affaire avec des du monde qui sont endeuillés, blablabla. C'est pas le bon client pour moi. Ça va arriver, gang, si vous envoyez des lettres. Faites-vous-en pas avec ça. C'est pas notre client. Nous, ce qu'on cherche, c'est ouais, j'ai hérité d'une maison. Asti, c'est une crise de dompe. Mes parents habitaient là, c'est empilé jusqu'au plafond. Il y a des écureuils et des ratons laveurs dans le grenier. J'habite à l'autre bout. Je m'en sac. Aide-moi. Ça, c'est le client qu'on cherche. Okay? Ça, c'est la succession qu'on cherche. Fait que ça. Fait que 20 appels. Il y en a 4-5 qui vont me dire, mange la marde. Fait que là, j'ai 10 cas, il m'en reste 15. Fait que sur les 15, je vais en qualifier environ
5, 6, 7 à peu près, donc un 60% à peu près que je vais qualifier pour une visite. Okay? Les autres, ça, ils demandent trop cher, la maison est super propre, en parfait état, ils habitent à 2 minutes de là, ils vont mettre ça avec un courtier, bref, c'est pas des clients pour moi. Mais sur les 4-5, là, je vais me déplacer, je vais faire une visite des lieux, puis je vais faire une promesse d'achat, puis je vais probablement, en fait, je vais signer un deal à peu près à tous les 16 PA que je vais soumettre. Okay? Fait qu'à tous les fois que je soumets une PA, je sais qu'au bout de 16, il y en a une qui va être acceptée à mon prix, un deal. Okay? Donc, ça, c'est ma métrique ultime, Marc-André. Donc, plus j'ai de rendez-vous, plus j'envoie de lettres, plus j'ai de rendez-vous, plus j'ai de rendez-vous de table de cuisine, plus je soumets de PA, plus je soumets de PA, plus je vais faire de deals dans l'année. Donc, c'est mathématique. Donc, ça, c'est ma métrique par rapport au mailing. Ouais, fait que les compagnies, fait que oui, Marc-André, il imprime tout pour moi. Moi, je demande un clé en main, donc je fais absolument aucune action. Donc, c'est de baisse. Pour des exemples de lettres, oui, j'en ai des exemples de lettres. Donc, évidemment, quand vous prenez j'ai différents kits qui existent, donc le kit du prospecteur ou évidemment, quand vous prenez mon offre d'encadrement, d'accompagnement, tout commence par un deal. Mais là, j'ai toutes les lettres de succession, avis de 60 jours, vente pour taxes, hypothèque légale, bref, tous les modèles sont là. Tu me copies au début, man, j'en ai aucun problème. Honnêtement, copie, c'est bien correct. R&D, hein, tu sais, le R&D, le monde pense que c'est recherche et développement, là, mais du R&D, c'est Rob and Duplicate. Fait que Rob, mon modèle de lettres. Évidemment, je vais t'encourager à te le personnaliser, tu sais, parce que les mots, c'est une chose dans la lettre. Le papier, l'enveloppe, la fenêtre, pas de fenêtre, le type d'écriture, etc., etc., tout ça vont faire partie de ton envoi finalement. T'sais. Donc, c'est plus que juste des mots. Donc, c'est pour ça que je m'en fous complètement que tu me copies au début. Mais ultimement, il va falloir que tu trouves ta recette secrète. Ben oui, c'est ça. Facebook User, je ne sais pas si c'est encore Marc-André, mais envoyer 100 lettres, c'est. Moi, j'appelle ça des tâches à 10 piastres de l'heure. T'as-tu le temps? C'est-tu vraiment là que tu es payant? C'est juste que tu vas me dire, ah, je fais ça devant l'ordi, je fais ça en écoutant District 31, je fais ça, ma blonde fait ça. Oui, tout ça, c'est possible. Mais t'as-tu de la valeur vraiment dans ta compagnie à licher des enveloppes, à les plier en trois, puis etc.? La réponse, c'est non. Tu vas être bien plus payant à faire autre chose. Fait que ça, c'est le genre de tâches à 10 piastres de l'heure que j'aime beaucoup mieux déléguer. Puis me focusser sur d'autres choses finalement. T'sais. Donc, parce que oui, c'est long. Puis tu sais, l'affaire, c'est que si tu fais ça, tu t'envoies tes 100 lettres par semaine, tes liches, puis ci, puis ça, ben, tu n'as pas encore nécessairement parlé aux clients. T'sais, il te reste beaucoup de job à faire encore. Là, parce que c'est bien beau. Là, tout ce qu'on fait actuellement dans la prospection, gang, c'est on veut des rendez-vous, on veut des tables de cuisine. Mais la vraie game commence à la table de cuisine. J'ai des ados qui font rien, c'est parfait. Oui, tu as raison, mais c'est pas super fiable tout le temps des ados, par exemple. Rendu là, bon, si tu as de la main-d'œuvre pas trop chère, il fallait écrire à la main. Des lettres écrites à la main, je vous le dis tout de suite, là, ton taux de retour va te dépasser le 5 %, puis ça pogne. Les lettres à la main, c'est écœurant. Mais ce n'est pas une méthode qui est très, très scalable, par contre. Donc, mais oui, le faire travailler des ados, c'est possible. Moi, ce que je fais travailler les ados, en fait, c'est que, vu qu'on en parle, c'est que il y a un challenge aller prospecter les chalets. Parce que c'est souvent dans des routes que le petit camion Google ne se rend pas dans ces routes-là. On ne peut pas prospecter de façon virtuelle. Puis les distances à courir sont fucking longues aussi. Donc, tu prends une équipe de soccer, puis tu dis à tous les kids d'aller me ramasser toutes les adresses de toutes les propriétés autour du lac. Puis tu leur donnes une pièce par adresse ou 10 cents par adresse ou whatever. Tu mets un challenge là-dedans. Fait que là, ça te ramasse beaucoup, beaucoup d'adresses que tu ne vas pas ajouter à la plateforme. Hein. Tu peux faire des ajouts de. L'autre façon de rajouter des propriétés, c'est de faire des ajouts manuels. Donc, tu ajoutes une propriété. Fait que là, tu tapes une après l'autre. Fait que là, OK, mais le 43, 44, chemin du lac Souris, ben là, tu l'ajoutes. Puis là, tu vas pouvoir l'ajouter. Puis moi, c'est ce que j'appelle faire de la prospection de quartier. Donc, je vais envoyer à ces gens-là une lettre de prospection de quartier. C'est-à-dire que ma lettre va être bonjour, investisseur, propriétaire, je suis un voisin à vous. J'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de discuter avec vous, d'acheter votre propriété, blablabla. Bref, c'est une lettre avec une tenue un peu différente parce que ces gens-là ne sont pas nécessairement motivés à vendre maintenant. T'sais, on ne sait pas s'ils n'ont pas reçu d'avis, ils n'ont pas reçu de préavis d'exercice ou de succession. Donc, c'est juste des gens qu'on a ajoutés manuellement dans la plateforme. Donc, faisons l'exercice, là. Y a-t-il quelqu'un qui a une adresse que je pourrais taper, là, que je pourrais taper, là, qui n'existe pas nécessairement dans la plateforme? On pourrait faire un ajout manuel. Donc, checker bien ça ce qu'on va faire. Checker bien ça ce qu'on va faire. On va aller, on va improviser un peu. On va improviser un peu. Je suis encore en partage d'écran. Oui. Hein?
On va aller sur Google Studio. Fait que là, il y a quand même quelque chose de cool qu'on a fait. Voyez-vous ici, là, j'ai une petite extension, moi, avec mon prospecteur. Okay? Fait qu'on a fait, on a développé ça pendant évidemment le confinement. Parce que c'était. Ben, on avait des besoins pour ça. Donc, mettons, moi, je pars de chez nous, je suis dans la Napierville. Fait que, mettons, là, je vais sur le bord de. On va aller à Venise en Québec. Là. C'est pas loin de Venise en Québec. C'est beau. Voyons, d'où Venise en Québec. Puis là, moi, je décide d'aller prospecter là. Puis je dis, attends, petit, on va aller voir sa 26e rue. Ça. Fait que je prends un petit bonhomme ici sur Google. Puis je vais aller me dropper sa 26e. Ça. OK? Puis là, on va checker. Fait que là, je vais checker les adresses. Puis on va se déplacer. Puis là, hey, cette propriété-là m'intéresse. OK? Petit signe délabré, vieillot un petit peu, parfait. Donc, je vais ouvrir l'application ici, l'extension Mon Prospecteur. Puis là, regardez comment c'est cool. Je suis chanceux, là, ça arrive. Des fois, ça arrive de même. Mais regardez, on voit qu'il y a une petite cloche orange ici, OK? Fait que je sais que cette propriété-là existe dans la base de données de mon prospecteur, OK? Fait que 153, ça a l'air d'être pas mal, ça. 150. Ça ressemble à ça, hein? C'est ça, la maison? C'est le voisin d'en face. Clairement, il a coupé ses ailes. Bon, écoute, là, c'est des. Enfin, j'en ai pas dans les fleurs du tapis, là. Je pense que c'est cette maison-là. Là. Donc, on la rajoute. Puis là, on va y accéder. Fait que là, elle existe dans elle aurait pu exister comme elle n'aurait pas existé. Tu sais, là, il n'y aurait plus rien à voir. Là, on va voir comment ça que nous, elle arrive. Ah, voyez-vous, il y en a une vente pour taxe. Super intéressant. Une vente pour taxe récente en plus. Wow! Fait que là, je fais une prospection de quartier, puis je suis tombé directement sur cette propriété-là, OK? Donc, puis elle a un avis, mais elle aurait pu pas avoir d'avis. Vous comprenez? Parce que là, vous rappelez, là, j'ai commencé à faire la prospection de quartier parce que je parlais de l'équipe de soccer que j'allais faire prospecter là, partout dans les chalets. Fait que là, mauvais exemple, là, cette propriété-là existe. Mais c'est pas grave, on est là, on va en parler. Donc, voyez-vous ici, j'ai rien. J'ai pas d'index à la propriété, j'ai rien, OK? Fait que là, on va aller s'en payer, OK? Fait qu'on va aller faire un historique à la carte. Puis, ce qui arrive, c'est que mon robot s'en va directement sur le site du registre foncier du Québec, s'en va ramasser un index à propriété, puis il va venir nous le mettre juste en bas ici. Donc là, un, je vais pouvoir voir si la vente pour taxe de cette maison-là, elle a été payée. Donc, ça prend quelques minutes. Un café frette. Bon, parfait. Fait que, regardez ici, fait que là, automatiquement, je viens d'avoir un index à jour. Donc, on voit que le préavis de vente pour défaut de taxe foncière est ici. Puis là, il y a quelque chose de différent que je vois ici. Adjudication, défaut de paiement de l'impôt foncier. Adjudication. Adjudicataire. Bon, c'est quelqu'un qui a déjà entendu ce mot-là dans la vie. Moi, c'est la première fois que je le vois. Norbert Garceau. Il n'est pas dans les titres non plus. Il est-tu mentionné quelque part? Lui, Norbert, il est nulle part. J'ai comme l'impression que ce mot-là veut dire qu'il est comme allé payer pour eux autres. Ça se peut-tu? Hein? Allons copier. Ouais. Google, que ça veut dire ce mot-là? Adju. Ça veut dire cette affaire-là. Bénéficiaire d'une adjudication. Bon, c'est quoi une adjudication? Est la modalité de vente d'un bien mis aux enchères par un juge, un notaire ou un fonctionnaire. Bon, OK. Ah ben, voyez-vous, j'en apprends moi avec. Donc, fait que là, est-ce que je comprends que ce gars-là, il aurait perdu aux enchères, ou il aurait, Norbert Garceau aurait donc acheté aux enchères la maison de M. John Leonard? C'est ce que je comprends, en tout cas, là-dedans. C'est la première fois que je le vois, celle-là, adjudication. Donc, on apprend tout le temps. Intéressant. Donc, ça, c'est un dossier que je prospecterais. La réponse est non, parce que, clairement, ça vient d'arriver, cette affaire-là. T'sais, là, donc, moi, dans mon livre à moi, ce qu'on pourrait faire pour en avoir le cœur net, là, on pourrait aller juste ici, faire copier-coller, puis aller consulter. On va le faire. Registre foncier. Registre foncier du Québec. C'est de la curiosité que je fais là. Je n'en aurais pas nécessairement besoin. Je vous l'ai dit, ce dossier-là, selon moi, il est à disqualifier, mais juste par curiosité professionnelle, c'est quoi une adjudication? Donc là, je m'en vais sur le registre foncier du Québec. Je vais aller consulter un acte. Donc, je vais aller consulter un acte au long.
et je vais venir coller le numéro d'inscription que j'ai collé tantôt dans la plateforme et je vais rechercher. Évidemment, quand on est sur le site du Registre foncier du Québec, c'est 1 $ à chaque fois que vous cliquez sur le piton. Ça coûte très cher. Je dois mettre à peu près entre 500 et 1 000 $ par année de clics là, sur le registre. Donc, ça va vite. C'est pour ça que, tu sais, des fois, le monde dit, ah, la plateforme, c'est cher, mon prospecteur, 200 $ par mois. On va dire que 200 clics sur le registre foncier, quand tu fais ça manuellement, je peux te garantir que tu bosses, puis ça ne coûte pas cher, en fait, là, mon prospecteur. Donc là, je veux savoir, adjuger Kevin à Panin pour un montant 600 $. What? Adjuger à Kevin à Panin pour un montant de 600 $. What? Ou 600 000? Ah non, 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 OK, c'est ça. C'est toutes les. C'est comme un. C'est pas juste la maison ciblée comme telle. D'après moi, c'est tout. C'est toutes les propriétés ciblées par stack-là. OK, ben là, ça va. Je les réponds au complet là, parce qu'il doit y avoir plusieurs pages. Pas tant que ça non plus. Il y a plusieurs propriétés, vous voyez. Rue Renoir. J'ai comme pas l'impression que je suis tombé sur le bon document. Il y a peut-être un petit glitch quelque part. Mais en tout cas, on voit que, gars, adjugé, donc on voit que c'est une vente aux enchères, il y a 81 000 ici, l'adresse sur la rue Struter. Je n'ai pas l'adresse qui me concernait, moi, là, tantôt. Bref, je continuerai des recherches, mais c'est de la curiosité que je vous montrerai là, moi, dans mon livre à moi, c'est réglé. Fait que c'est sûr que ça, je ne prospecte pas ça. Donc, évidemment, je vais mettre une couleur rouge, puis je vais mettre, en fait, archiver tout de suite. Je vais y mettre le statut archivé. C'est pas un dossier que je vais prospecter. Revenons à nos moutons. Revenons à notre prospection. Je continue la prospection de quartier. Je suis sur le bord de l'eau, je me cherche quelque chose. Puis là, je trouve cette propriété-là. OK? Même chose, je vais essayer de l'ajouter. Je vais trouver, voir si, avec ma plateforme, avec mon petit widget, si elle est ajoutée. Puis là, on voit que quand t'as parlé, je suis encore chanceux. J'ai encore une autre propriété. Alors, c'est la même. Désolé. On va se prendre un petit peu plus loin pour être sûr qu'on va pogner d'autres choses. C'est une belle maison, ça, là, qui est là. Là, ce que je veux, c'est pas une maison qui a rien, qui n'existe pas dans notre base de données. Là, j'en trouve pas. C'est niaiseux de même, hein? Des fois, je me souviens des lives que j'en cherchais. C'est sûr que je suis dans une région peut-être qui n'est pas la meilleure. Là, je vois des affaires de camping. C'est peut-être pour ça que mon programme ne trouve pas nécessairement de cadastre. Là. Je suis comme dans un genre de camping où il n'y a peut-être pas de cadastre là, justement. Là, parce que théoriquement, toutes les nouvelles adresses devraient être ici. Là, il me sort toujours la même, toujours avec une même avec des cloches. Fait que, elle existe toujours dans notre base de données. Pas génial, génial. Très beau Venise en Québec pour ceux qui ne savent pas, là, qui n'auraient jamais été. Bon, fait que là, vous voyez que je ne suis pas chanceux. Il y a un petit glitch où je ne sais pas pourquoi ils identifient ces propriétés-là. Peut-être que je te dis que c'est un genre de camping, peut-être qu'ils n'ont pas de cadastre ou sont tous sur le cadastre du camping. Donc, il y a un petit glitch. Est-ce que je suis chanceux et je vais sur. J'accède à celle-là ici. Pas compliqué, je veux juste une propriété que j'ai rien. OK, puisque je veux. Parfait. Donc, là. Équipe de soccer, je suis autour d'un lac, j'ajoute des propriétés manuellement, je reviens devant l'ordi le soir, puis là, j'ajoute cette adresse-là, 2507 Boulevard des Oiseaux. Est-ce que je prospecte ça ou je ne prospecte pas ça? Est-ce que j'envoie des lettres? Ça me coûte 2,50 la lettre. Mais en prospection de quartier, guys, j'envoie des lettres à l'infini. Okay? Jusqu'à temps qu'ils m'appellent et ils me disent « Arrête de m'envoyer des lettres, je ne suis pas vendeur. » Ou qu'ils m'appellent pour dire « Hey, là, on est prêt à vendre, je t'appelle. » Donc, j'envoie beaucoup de lettres. Fait que c'est ça que je veux, les qualifier, les dossiers. Fait que là, ce que je veux voir de un, quand je fais une prospection de quartier puis j'ajoute manuellement des dossiers, évidemment, pas le choix, ça prend un index à la propriété. Ça prend une historique à la carte. On n'a pas le choix. Ça prend un index, ça coûte 1 $, puis je pars de là. Okay? Donc là, il y a 3 choses qui vont déterminer si je vais entamer une action de prospection sur un dossier de prospection de quartier. Un, je veux voir des vieux noms. OK? Fait que des Claude puis des Lucie, c'est pas si pire. Okay? J'aime bien les Claude puis des Lucie. J'aime moins les Samuel puis des Catherine. J'aime moins des Olivia puis des Xavier ou des affaires de même. Okay? Donc, évidemment, quand j'ai des noms un peu plus vieux, ça sonne justement des personnes dans la cinquantaine et plus et donc des personnes qui vont être plus motivées à vendre rapidement. Donc, ça, c'est un. Deux, j'aime bien voir des vieux propriétaires. C'est-à-dire que eux sont là depuis 2004. Okay? Fait qu'on regarde la dernière vente. Fait que Lucie puis Claude sont là depuis 2004.
Ça fait quand même pas longtemps. S'il venait d'acheter en 2021, ça ne m'intéresse pas. T'sais? Donc, parce que c'est trop récent. Puis, je veux dire, je viens d'acheter. Mon feeling, c'est qu'ils ne vendront pas tout de suite. Fait que des vieux noms, des vieux propriétaires. Puis, j'aimerais bien aussi voir des vieilles bâtisses. Donc, ce bâtiment-là, ici, on est à Laval. Mais je devrais aller sur le site de la ville ici, mettre le cadastre et aller voir, en fait, l'âge de la propriété. Donc, j'aime bien quand c'est des vieilles propriétés parce que, évidemment, je me dis que, vieux propriétaire, vieux nom et vieille bâtisse, c'est des dossiers que moi, je vais qualifier pour envoyer des lettres de prospection de quartier. Fait que, c'est comme ça que je vais déterminer si je vais envoyer si je vais envoyer une lettre ou non. Question, mais tu dis d'aller cogner aux portes, c'est meilleur que les lettres. Évidemment, Marc-André, je pense, c'est ton nom, hein? 100 000 à l'heure, OK? T'as 100% raison, je dis ça, t'as 1000% raison. Mais de m'amener à les cogner aux portes, Marc, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, OK, je vais donner l'exemple de la pêche, OK? En prospection, il faut que tu pêches de plusieurs façons différentes. Donc, pour moi, le mailing, c'est l'équivalent de pêcher à la grenade, OK? Donc, tu dégoupilles la grenade, tu garoches ça par-dessus bord, à kaboum dans l'eau, puis là, les poissons qui remontent, les appels entrants, ben là, tu vas les traiter, puis tu vas les ramasser. OK? Fait que ça, pêcher à la grenade. Pas très sexy, très efficace. Après ça, tu vas aller te pêcher aussi au harpon. C'est-à-dire que là, tu veux pogner du gros poisson, tu vas plonger dans l'eau, mon gars, tu vas aller cogner aux portes, tu vas aller cibler les avis de 60 jours, les ventes pour taxes, certaines hypothèques légales, puis tu vas aller shooter au harpon. Fait que là, tu vas pogner ton char, ton gaz, tu vas aller cogner aux portes, tu vas aller rencontrer direct, parce que là, c'est des gros dossiers souvent. Le contact humain, il faut que tu mettes la ligne quelque part. Fais de la route à tous les dossiers, ce serait le best. Mais là, on l'a vu tantôt, 983 dossiers, tu n'y arriveras jamais. Okay? Oublie ça. Fait que faut que tu mettes une ligne quelque part. Fait que moi, j'ai mis la ligne là, succession, mailing, avis de 60 jours, porte, vente pour taxes, porte. Hypothèque légale selon les dossiers. Fait que je vais vraiment les prospecter d'une façon différente. Puis, troisième exemple, pour finir l'histoire de la pêche, c'est que ça va te prendre des filets aussi. Okay? Pêcher avec des filets, là, okay? T'en crisses tout partout dans le web. Okay? Fait que acheter maison vite, vendre maison rapidement, acheter maison LED, vendre maison LED, duplex en décrépitude, j'achète vite, je vends vite, tu achètes tous les mots-clés possibles et imaginables. Ça va te coûter une fortune. Okay? Mais tout le monde qui vont cliquer, qui vont dire vendre maison sans courtier, vendre maison à Laval, pas de courtier, vendre directement, vendre une maison LED, vendre une maison avec de la moisissure, tous les mots-clés tu les achètes, puis le monde, ils vont cliquer, ils vont tomber sur ton site web, ils vont tomber sur toi, puis ils vont t'appeler. Fait que, idéalement, quand tu prospectes, tu mets toutes ces méthodes-là de prospection en place. Puis, comme je te dis, après ça, c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Puis, avec une machine de même, tu crisses des filets, puis tu pêches au harpon, puis tu pitches des grenades, je te garantis, mon gars, que tu vas signer des tonnes de copies de deal, des tonnes de copies. Ouais, en fait, des ventes pour taxes, très bonne question. Même chose, OK? Fait que là, si tu commences à comprendre ma façon de penser, je suis encore tout le temps Marc-André qui parle, parce que Facebook User, c'est juste Facebook User qui me commande. Même chose, la game, là, j'arrive dans les avis de 60 jours, là, mais j'attends pas à vente aux enchères à la fin de l'année au complet, puis j'attends pas non plus justement d'acheter via le processus de vente sous taxe. T'as raison, le propriétaire, il y a un an pour revenir dans le décor, puis venir reprendre sa possession, etc. Donc, je vois pas une possibilité de faire un investissement avec une maison de même, là, rachetée aux enchères. Mais par contre, ce même gars-là, quand il a reçu son avis de vente pour taxe, ben, il y a un an, là, à prospecter, puis aller cogner à sa porte. On s'entend, là, Marc-André, 90% du monde vont payer leurs taxes avant le fameux jour J, là, tu sais. Mais tu en as un petit pourcentage qui vont se rendre jusqu'au bout. Mais pourquoi pas aller cogner à leur porte à ces gens-là, puis essayer d'aller leur acheter à eux avant qu'ils perdent aux enchères. Tu sais. C'est toujours ça la game. La même chose pour les avis de 60 jours. Donc, t'attends pas qu'il soit rendu en avis de 60 jours. Tu vas le pogner quand il est en préavis d'exercice. Donc, on y arrive justement, ça va peut-être illustrer tout ce. Donc là, voyez-vous. J'ai fait mon mailing, il y a 400 lettres de partie. Fait que là, je me prévois probablement 2 journées vers la fin de la semaine avec pas trop de choses parce que je sais que le téléphone va sonner. Okay? Donc, soit que tu mets un call to action au téléphone, il faut que tu répondes.
faut que tu répondes. Si tout le monde a des appels entrants, puis tu ne réponds pas, tu es fourré. Fait que si tu n'es pas tout le temps disponible, peut-être à ce moment-là, ton call to action devrait être plutôt sur ton site web. Donc, d'aller remplir un petit formulaire. Donc, vous avez reçu une publicité, vous avez reçu un appel de ma part. Donnez-moi votre nom, prénom, adresse, courriel, adresse et adresse courriel, puis je vous rappelle dans les 2 heures. Donc, ça dépend de quoi ton call to action. Mais c'est ça. Donc, parfait. Fait que là, les successions, mon mailing est parti, c'est réglé, check. Fait que après ça, je vais aller travailler mes avis de 60 jours. Je devrais en avoir beaucoup moins. What? Ah, OK, c'est parce que j'ai 800. What? 800? Shit. On va aller mettre l'autre filtre ici, ça devrait tomber pas mal. Fait que j'ai quand même 127 avis de 60 jours dans la région du Nord, quand même. OK, fait regardez donc ça, j'ai des gars de construction ici, là. Fait que checkez ça ce que j'ai ici. Fait que j'ai des terrains à Terrebonne, même code postaux, donc probablement voisins, intéressant. Bon, OK, fait que là, on voit que débiteur, Awada Immobilier, compagnie, et une maisonnaire climatisation Inc. OK, donc là, tout de suite, c'est noté comme un terrain, mais là, c'est maisonnaire climatisation qui met en défaut. On s'entend, Yanguay-sous-Roche, OK. Ça, je suis sûr que c'est un bel exemple d'une construction de maison neuve. Oh, regardons ça. What the fuck? OK. Google Street View, je ne sais pas comment il a fait pour avoir cette vue-là, mais bref, je suis dans le dentiste. OK. Donc, on va repasser pour le terrain. Bizarre. Écoute, maison en climatisation, c'est à peu près ça qu'il y a une construction là-dessus. Puis, allons voir pourquoi. Là, c'est un terrain, fait que voyez-vous, il y a des chiffres qui n'ont pas été calculés par mon système. Donc, quand ça arrive comme ça, il faut y aller à la carte. Il n'est pas calculé par mon système parce que c'est un terrain. Et il n'y a probablement pas assez d'informations pour que mon... Regardez-vous, il n'y a pas de valeur municipale encore. Il n'y a pas de propriété là-dessus, OK? Donc, c'est pour ça qu'il manque beaucoup d'informations. Fait que c'est pour ça que nous, on n'est pas capable de fournir une analyse avec des chiffres et des RPV. Il n'y a pas de valeur inscrite ici. Donc, on ne peut pas en inventer. Donc, moi, ce que je fais à ce moment-là, puis nous, évidemment, pour couper des frais, ben, on n'ira pas payer une pièce pour le fun. Donc, si vous voulez aller plus loin, payer la pièce puis aller l'analyser, je m'attendais à ça. Okay? Je m'attendais à avoir tout un historique avec plein d'hypothèques légales. Parce que là, le scénario qu'il y a là, c'est que ce n'est plus un terrain qu'il y a là. Okay? Il y a une construction. Fait que ces trois personnes-là ici, ils ont construit quelque chose. Clairement, Google View ne nous permet pas de voir. Donc, il faudrait y aller en personne. Mais là, moi, j'ai un gars qui a un contracteur qui est en hypothèque légale, préavis d'exercice, hypothèque légale, vente du contrôle, hypothèque légale. C'est un après l'autre. toute la gang, un après l'autre. Donc, il a même signé des avis de bail. Regardez, il a même signé des baux commerciaux ici. Fait que moi, c'est sûr que je prospecte ce dossier-là, là, dans le sens que là, ça m'intrigue. Je ne fais pas beaucoup, beaucoup de commercial parce que là, on voit des dentistes, puis ça, c'est pas vraiment mon bag faire du commercial, mais là, clairement, ils sont en défaut. Fait que c'est sûr que moi, je vais aller parler à ces gens-là. Je vais peut-être essayer de les appeler, par exemple. Je pense que je vais aller, vu que c'est des compagnies, c'est probablement des sièges sociaux. Pas sûr que je vais aller cogner à la porte de ce dossier-là. Je vais peut-être essayer de faire de téléphoner en place. Parce que c'est sûr que je vais avoir les coordonnées pour eux autres. Là. C'est sûr que je vais avoir les numéros de téléphone des administrateurs, etc. Puis, ouais, je vais probablement plus aller les appeler avant, j'aurais un peu plus de façon professionnelle avec eux que d'aller cogner à leur porte directement. Cool. Donc, bon dossier. C'est sûr que je qualifie ça. Fait qu'un bon dossier de fait. Check. J'ai une question de Facebook. Donc, comment vous faites les retraits de percevoir les loyers? Vous contactez directement le proprio ou la banque? Je n'aurais trouvé un vraiment intéressant. OK. Retrait de percevoir des loyers, 98 % du temps, ça vient avec un avis de 60 jours. OK. C'est un avis qui est remis au locataire. Et comme je vous dis, 95 % du temps, ben, le propriétaire est en défaut, donc le propriétaire reçoit un avis de 60 jours et les locataires reçoivent un retrait de percevoir des loyers. Donc, ce que ça fait souvent sur la plateforme, c'est qu'on a des doublons. Donc, on a deux dossiers pareils. Fait que moi, ce que je finis par les associer, tu sais, parce que finalement, ben, là, tu mets des notes dans un, tu mets des notes dans l'autre. Allons voir pour le fun juste ici. Là, okay? Donc, il y a un duplex ici qui a un retrait de percevoir des loyers. Le dossier me dit de quoi? Je me rappelle de M. Zerbeau. Okay, le nom me dit de quoi?
Oui, c'est ça, il y avait plusieurs propriétés, je me souviens du dossier. Et ben, regardez, là. C'est ça, lui, il y en a plein. C'est un après l'autre. On savait. Fait que, c'est ça. Fait que lui, il rentre dans la statistique. Donc, ses locataires ils ont reçu un recevoir des loyers. Lui, il a reçu un des préavis d'exercice. Puis là, il fait chaud, là. Moi, je serais à sa place. J'aimerais pas être dans cette situation-là. Donc, j'ai travaillé de la même façon, finalement, Marc-André. C'est-à-dire que mais là, en plus, je sais que j'ai un allié de plus dans le dossier. Parce que dis-toi que le locataire qui a reçu un retrait de percevoir des loyers, ce que ça dit cet avis-là, c'est qu'à partir de maintenant, tu ne donnes plus ton loyer au propriétaire, tu donnes ton loyer à la banque. Okay? Fait que là, le locataire, il se fait comme, ben là, monsieur la banque, madame l'avocat, whatever, moi, je le paye mon loyer, là, allez-vous me mettre dehors ou qu'est-ce qui va se passer avec moi? Puis là, moi, je le paye, là, mon loyer au propriétaire, comment ça que lui, il ne vous paye pas? Fait que souvent, c'est un allié, cette personne-là. Donc, il peut te donner le numéro de téléphone du propriétaire, il peut te dire il est où, à quelle heure, puis etc., etc. Fait que le locataire peut donner souvent ton allié à ce moment-là. Donc, c'est toujours intéressant. Puis, pour répondre à ta question précisément, je vais aller cogner aux portes. Je vais travailler un retrait de percevoir de la même façon que je vais travailler un préavis d'exercice. Parce que, moi, je te dis, 95% du temps, ils viennent ensemble. Great. Fait qu'on continue. D'après moi, les deux terrains de Terrebonne, c'est les mêmes affaires. Fait qu'on ira pas avec les mêmes choses. Et on va aller voir. Regarde, on sait ça. OK? Des fois, mon système, il est très fort. OK? Fait que là, on va aller voir ces dossiers-là après. Là. Regardez comment c'est beau, ça. Fait que 65, 68, 57, 76. Ça, là, c'est le RPV. Ratio prêt-valeur. Donc, plus ce chiffre-là est bas, plus il y a d'équité sur la maison. Okay? Donc, s'il y a 97 000 d'équité, 60 000 d'équité, 129 000 d'équité, donc gros profit potentiel. Ici, on se demande, tabarnane, c'est qui le malade mental qui est allé prêter à 596 % pour un déficit de 700 000 piastres? T'sais, ça ne fait pas de sens. On s'entend, il y a quelqu'un quelque part, il y a un prêteur quelque part qui va perdre beaucoup d'argent, t'sais, ou il y a une erreur dans le dossier. Fait que, allons voir pourquoi que ce dossier-là il est autant hors ratio que ça. Okay. Donc, j'ai tendance à aller directement en. OK, allons voir ici. Donc, voici, la propriété est évaluée à 141 000, qui est vraiment pas cher, à Pointe-Calumet, ça s'explique. Donc, 81 000 le bâtiment, 60 000 le terrain. Okay. Puis là, mon système aurait calculé qu'il y a 843 000 de dettes là-dessus. Fait que là, tu fais comme, what the fuck? Allons voir. Bon, beaucoup d'hypothèques légales de construction. Fait que ça, c'est sûr, ça s'additionne vite, là. Bon, OK. Fait que là, c'est sûr qu'on a quelque chose de... Écoute, regarde, c'est pas fou, là. Check bien ça, là. Fait que lui, là, il a acheté en remontant la dernière vente, OK? Fait que, dernière vente, 23 octobre 2020. Fait que Christian vend à Antoine, OK? Antoine finance. Il paye cash. Quoi, deux ventes? 2009, 2020. OK, ah, celle-là n'est pas là. Cette vente-là, il vente, il fait une hypothèque. Ah! OK, fait que regardez, j'essaie de faire le jeu. Je suis en direct, hein, puis j'en lise en direct. Il a acheté le 23 octobre 2020, il n'y a pas d'hypothèque. Fait qu'il a payé cash. Fait qu'il a payé 132 000 piastres cash. Après ça, un an plus tard, il va aller chercher du financement à Desjardins. Fait que pas prêteur privé, Desjardins. Puis Desjardins prête 754 000. C'est sûr que c'est un pré-construction où il est en train de se construire quelque chose là-dessus, lui-là. Là. Il a acheté une maison. Bon, c'est-tu ça? Un petit peu de... Ah, ben là, c'est ça. Bon, on a réponse, hein? Fait que c'est ça. C'est ça qui arrive. Fait que lui, il a acheté une maison, puis il est allé se construire ben, trois garages. Hein? Il est en train de se construire toute une maison. Fait que là, ça fait du sens, tu sais. Ça fait du sens. Ça a l'air d'être toute une maison, ça, là. Ouais. Là, ça fait du sens. Fait que là, la banque, OK, il a décaissé un montant. Fait que là, on se rend compte là, que c'est peut-être un super bon dossier, ça, là. Parce que là, on sait bien là, que l'évaluation municipale est plus 141 000. C'est probablement l'évaluation qui datait justement là, de 2017-2019. Donc, c'est aux 3 ans des évaluations. Fait que là, il y en a une nouvelle en 2022. Fait que probablement, quand ce dossier-là il est sorti, ben, c'est encore l'ancien rôle d'évaluation. Fait que là, fait que ce dossier-là, il peut être très bon, là. Parce que là, moi, ce que je vois, là, c'est que le gars, il s'est construit. Hypothèque légale, hypothèque légale, hypothèque légale, vente du contrôle, hypothèque légale. Bref, y a-tu fini la construction? La maison est-elle en bon état? Y a-t-il moyen de finir? Parce qu'on s'entend qu'une maison de même, là, pas tout le monde qui va acheter ça. OK?
Malgré qu'aujourd'hui, style, le monde s'achète tout, là. Mais une maison pas fenêtre, pas finie, pas tout le monde qui va acheter ça, OK? Donc, la construction est-elle terminée? Où en sont les travaux? Cash. Toutes des questions que moi, je veux répondre quand je vais aller parler au propriétaire. Donc, bon, tu me suis en chaise roulante là. Donc, écoute, super bon dossier. C'est sûr que je qualifie ça. Donc, quand je qualifie, j'aime bien mettre une petite couleur. Donc, je qualifie et je vais classer dans aller cogner à la porte. Simplement. Donc, les chiffres sont bons. Ils sortaient complètement hors ratio. OK? Complètement hors ratio. Mais en analysant comme il faut, je me rends compte que c'est une construction neuve, que c'est probablement pas terminé. C'est une petite cabane qui est en train de se construire. Puis là, ça saigne de partout, là. Donc, hypothèque légale, hypothèque légale, hypothèque légale, hypothèque légale. Ça va pas bien. Fait que peut-être une opportunité de racheter le projet pas fini, de finir le projet, d'aller l'habiter ou de finir le projet puis de le vendre. Bref, dans tous les cas, il y a peut-être une pièce à faire. Il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille, je vais sauvegarder mes notes, enregistrer et je vais aller prospecter ça. Parfait. Hey, j'ai Reggie qui me demande une demande d'analyse de dossier. Je sais pas si je peux y aller par ici. Je suis pas dans mon compte admin. Je suis dans un, j'ai-tu un compte admin? Admin propriété? Ouais, je pense que je vais pouvoir y aller par ce compte-là. Donc, tu me demandes d'analyser, Reggie, le 6, 3, 7, 15, 20. Donc, parfait. Donc, allons, un condo, rue Langloiserie à Rosemère. Parfait, excellent. Allons voir ça. Ça me fait plaisir. Donc, as-tu une question particulière, Reggie, ou j'y vais at large? Donc, en attendant que tu me répondes, moi, j'aime bien voir Rosemère, j'aime bien voir où on est. Donc, dans quel secteur? Je me donner une idée. OK, c'est pas la 640, parfait. Le Street View répond pas, c'est pas dramatique. OK, donc là, développement Rosenblum et Dargis Construction, c'est les débiteurs, le créancier des entreprises Gilles Bellil. Donc, j'ai l'impression que c'est une hypothèque légale de construction, ça, avec. Quand on voit des créanciers, que c'est des entreprises comme ça, c'est souvent des hypothèques légales de construction. Allons voir pour en avoir le cœur net. Bon, on dit que je tenais d'avoir raison. Donc, c'était sûr. Donc, voyez-vous, je dis que c'est sûr que c'est la logique. Je veux dire, je ne suis pas si brillant que ça, là, dans le sens que le gars, il a fait des travaux, les entreprises Gilles Bellil ont fait des travaux, puis ils se sont pas fait payer, ou il y a un litige qui a pogné entre les propriétaires, puis le contracteur. C'est un des gros pouvoirs des gars de construction et des RBQ, c'est qu'on peut, si on n'est pas payé pour nos travaux, on peut déposer une hypothèque légale sur la propriété. Et le gros, gros, gros avantage de cela, c'est que l'hypothèque légale tombe en premier rang, okay? Automatiquement en avant de la banque, en avant du prêteur privé, en avant de tout le monde. Okay? Donc, les prêteurs privés détestent les hypothèques légales de construction parce que ça met ils tombent en deuxième rang. Puis un prêteur privé ne veut jamais être en deuxième rang, en tout cas le moins souvent possible. Donc là, ce n'est pas un petit prêt de rien, c'est 157 000, tu sais. Donc, pas cool. Donc, là, il n'y a pas de valeur non plus enregistrée, il n'y a pas de calcul, hein, Reggie, parce que c'est encore une construction neuve, probablement. Donc, on n'a pas de valeur enregistrée au niveau du rôle foncier. Allons voir. Mais là, ce qui est clair, c'est que, gars, on le voit là. Fait que, lui, il a acheté. Il a acheté en 2020. C'est ça. Là, il y a des trucs de syndicat de modification de déclaration de copropriété. Donc, il a mis ça à sa main, là. Syndicat de copropriété Rosenblum. Bref, ils ont mis ça à sa main. Ils ont mis ça à leur main, là. Là, je vois des développements ici, servitude, déclaration de propriété, Rosenblum. Bon, en tout cas, bref. D'après moi, ils ont construit des condos. D'après moi, ils ont construit des condos. Puis là, les entreprises Gilles Bellil, ben, ils ne se sont pas fait payer. Fait qu'eux, ils ont déposé une hypothèque légale de construction le 29 décembre 2021. Puis là, clairement, ça n'a pas donné. Il ne s'est pas fait rembourser ou le litige continue. Donc, il est retourné voir l'avocat puis il dit, gars, sais-tu quoi, l'hypothèque légale, ça n'a pas marché. Pèse sur le gaz, mon gars, puis on va à la prochaine étape. On dépose une vente du contrôle de justice. Donc, fait que là, le compte à rebours est parti. L'hypothèque légale, il n'y a pas de compte à rebours, Reggie, OK? Fait que l'hypothèque est là le 29 décembre. On va l'essayer, guys. Si on dépose une hypothèque légale, on va peut-être se faire payer. Peut-être. Rendu au 20 avril, Chris, les boys, ça n'a pas marché. Ils ne nous payent pas. Prochaine étape, monsieur l'avocat, c'est quoi? Ben, c'est d'inscrire un préavis d'exercice, vente du contrôle. Vas-y, t'as un autre 5 000 $,
fais ce que tu as à faire, mais va me chercher mon argent. Fait que vendre ce contrôle de justice, fait que là, le compte à rebours commence. Okay, à partir du 8 avril, Reggie, le 60 jours a commencé. Donc, bien souvent, ça finit par se régler. Là. Tu sais, là, ça finit par se régler hors cours entre les deux parties parce qu'ils se rendent bien compte que ça va jusqu'au. Ben, tu sais, de un, le développement Rosenblum, là, ils laisseront jamais, ils perdront jamais leur propriété. Tu sais, ils vont. C'est un litige, c'est tombé en cours. Reggie, c'est très difficile de rentrer là-dedans et de te faufiler. Là. C'est sûr qu'il y a un play à faire, ce serait d'aller voir le Rosenblum et d'aller leur demander s'ils veulent vendre. Peut-être qu'ils sont tannés, peut-être qu'ils sont écœurés de tout ça. Mon cas, c'est que c'est des, d'après moi, c'est que c'est des développeurs, des entrepreneurs d'expérience. La chicane a pogné pour une raison qu'on ne sait pas avec, avec Gilles Bellil. Puis là, il y a un litige. Fait que, y a-tu bien fait la job? Y a-tu pas bien fait la job? Est-ce qu'ils ont raison? Y ont-tu pas raison? C'est pas notre problème. C'est les avocats qui vont déterminer, puis le juge. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps dans ce genre de dossier-là parce que c'est souvent Rosenblum et Dargis, ils ne lâcheront pas le morceau. Le morceau. Ça m'étonnerait. Donc, c'est pas un dossier que je mettrai en top priorité. Là. C'est deux blocs de. Regine, tu me réponds, c'est deux blocs de condos. Les proprios doivent payer les plus-values. Est-ce qu'on contacte les locataires ou débiteurs? Les locataires, donc eux, je comprends bien, Reggie, eux, ils auraient construit puis ils auraient loué. Donc, ils ont construit les blocs à condos. C'est tous des condos, mais ils n'ont pas vendu. Ils les ont loués à des locataires, c'est ça que je comprends? Parce que moi, je ne vois pas, c'est ça. C'est absolument des condos, tu vois toutes les ventes de condos faites. Il n'y a pas de condo qui a été fait. C'est peut-être ça les déclarations ici de partie privative. Je pense pas, non. Bon, d'après moi, c'est. Tu peux aller voir les locataires, les débiteurs. Écoute, ils vont pouvoir t'aider. Ils vont pouvoir te donner un peu d'informations sur c'est quoi l'état d'esprit des deux parties, puis y a-t-il un play à faire. C'est jamais mauvais d'aller parler au monde en bâtisse, Reggie. Mais comme je te dis, des hypothèques légales de construction, c'est très difficile de te faire ta place là-dedans. C'est très, très, très difficile. Je préfère les hypothèques légales du gouvernement, par exemple. Parfait, le temps file, le temps file. Donc, en fait, j'ai déjà atteint mon objectif qui était de qualifier quoi, une centaine de dossiers, 20 dossiers en fait. Donc, juste avec mon mailing, j'ai 400 dossiers lettres qui vont partir, qui devraient me générer une vingtaine d'appels. Après ça, là, j'ai commencé, je n'ai pas terminé, mais j'ai commencé à cliquer des avis de 60 jours. J'en ai déjà cliqué facilement. Oh, wow, j'ai vu ça qui vient de sortir. Hein? Juste depuis tantôt, là. 11 logements, 6 à 11 logements, boulevard Langelier, Montréal, 36 % de ratio pré-valeur, 519, ça vient juste de sortir. Là. À la seconde, il n'était pas là tantôt. Ah non, c'est pas vrai, c'est parce que j'avais mis l'alerte de Rive-Nord, mais c'est pas grave. Il y en a-tu des plex, Jean-Nic? Oui, il y en a des plex. Il y en a des plex. Petite question, peux-tu faire une promesse d'achat avec compagnie Name si tu ajoutes ou ses associés? Ou ça prend ton nom personnel? Absolument pas. Moi, j'ai toujours signé mes promesses d'achat, Marc, à ma compagnie en numéro, donc 92-01-39-29, et où c'est désigné. Donc, et où compagnie à être formée, et où entité à être créée. Bref, il y a différentes formulations, mais moi, le et où personne désignée a toujours fait la job. Donc, j'ai très rarement mis mon nom personnel sur les PA, même que ça ne dérangerait pas. Parce que tu flippes la PA de toute façon, donc tu n'es pas sur la chaîne de titre, tu es nulle part finalement. Fait que ça ne dérangerait pas d'utiliser ton nom personnel. Mais moi, j'ai toujours fait mes business. Tout ce qui était flip, c'était dans ma compagnie à numéro. Tout ce qui est accumulation, c'est dans mon holding. Bref, j'organise je sépare mes affaires différemment. Donc, parfait. Ben, écoute, je laisse du temps pour d'autres questions. Il était 59, je ne partirai pas un autre dossier. Mais j'aimerais beaucoup si vous avez des questions par rapport à comme on a parlé tantôt, aux différentes nouvelles politiques de financement, sa prospection en général, là, je vais trouver mon lien pour vous partager le lien vers l'essai gratuit. Donc, ça s'en vient. Donc, évidemment, la magie commence avec mon prospecteur. Donc, je vous suggère évidemment de si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, je vous suggère évidemment d'aller de souscrire pour faire votre essai gratuit. Donc, vous avez 14 jours pour essayer la plateforme, donc créer vos alertes, commencer à recevoir des dossiers. Et évidemment, je vous encourage très fortement à pas qu'à recevoir les dossiers, mais engager une action de prospection pour générer un rendez-vous avec ces propriétaires-là. Donc, ça part de là.
Donc, commencez par l'essai. Évidemment, dans l'essai, vous allez être en contact avec beaucoup de mon contenu aussi. Donc, vous allez pouvoir acheter, si vous voulez avoir des formations à la carte ou vous voulez, vous allez pouvoir écouter mon webinaire, vous allez pouvoir écouter mes deals en direct aussi. Bref, on va tout vous faire un beau processus de onboarding, là, vraiment pour bien préparer votre compte, bien préparer votre machine de prospection. Puis après ça, comme je dis tout le temps, une fois que ta machine est en place, ben, c'est une question de temps. Okay? Donc, mets les efforts, mets l'énergie, sois discipliné, fais tes suivis. Puis, ce n'est pas une question de si tu vas réussir, c'est une question de quand. Donc, moi, je suis là pour t'aider. Donc, ma machine, ma plateforme va vous générer des leads sans arrêt, va vous permettre de tout structurer pour organiser toute votre prospection hors marché, que ce soit les alertes, mais tous les dossiers comme on a fait aujourd'hui beaucoup là, d'ajout manuel, de prospection de quartier. Puis après ça, ben, on est là pour vous aider. Donc, moi, si vous avez du succès sur ma plateforme, vous bookez des rendez-vous, vous avez une des tables de cuisine, ben moi, j'ai du monde dans mon équipe qui peuvent aller vous aider, aller closer des deals si c'est ce que vous voulez. J'ai des gens aussi qui peuvent vous aider à financer vos propriétés. J'ai des gens qui peuvent, si les gens veulent absolument avoir un achat location, puis vous ne savez pas comment faire les achats location, ben vous pouvez, je peux vous donner des références. Donc, vous allez pouvoir juste référer à des gens, faire un 2 000-3 000 pour avoir référé le deal, ou vous allez pouvoir le faire vous-même si vous avez les reins assez solides, puis c'est ce que vous voulez faire. Bref. J'ai beaucoup, beaucoup d'accompagnement pour vous aider à faire vos premières transactions. Donc, la plateforme, les data, la structure, puis mon groupe, ben, c'est vraiment le suivi, l'encadrement. Donc, en étant dans l'essai gratuit, vous allez pouvoir être exposé à toutes mes différentes offres. Puis, évidemment, moi et mon équipe, on est là pour vous aider. Donc, moi, dans mon équipe, il y a Quentin. Quentin, qui vous avez probablement déjà parlé au service clientèle, qui est la personne vraiment au niveau de la plateforme, au niveau de toute la machine de prospection, qui est vraiment mon bras droit. Puis moi, je suis beaucoup plus au niveau immobilier, au niveau coaching. Donc, au niveau immobilier, c'est ça. Donc, ça, c'est plus ma force à moi. Donc, vous avez accès quand vous rentrez dans mon accompagnement, évidemment, à toute mon équipe. Donc, énormément de valeur. 48 transactions l'année passée, au-dessus du million de profits générés à l'intérieur du groupe. Donc, cette année, je vais doubler tout ça. Donc, 100 transactions, puis au-dessus de 2 millions générés dans le groupe. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, que ça soit prêter de l'argent, que ça soit embarquer comme partenaire passif, que ça soit acheter une promesse d'achat d'un prospecteur, que ce soit de devenir prospecteur puis vendre des promesses d'achat. J'ai tout ce beau monde-là autour de moi, donc il y a une place pour vous, c'est sûr, certains dans mon cercle. Aziz qui me demande, comment penses-tu que l'augmentation des taux d'intérêt peuvent affecter le flip d'offres d'achat? Je pense que notre métier est là pour rester. Je pense que avec tous les problèmes d'acheter des propriétés actuellement, j'ai tellement eu de monde qui sont venus sur ma plateforme, pas juste des investisseurs, des prospecteurs, mais des. Moi, je les appelle Samuel et Catherine. Okay? Parce que Samuel et Catherine, c'était le prénom le plus populaire en 96. Donc, Samuel et Catherine, ils ont 25 ans aujourd'hui. Ils finissent du bac. Ils font 75 000 par année. Puis, ils ne sont pas capables de s'acheter une maison. Okay? Parce que ça ne passe pas nulle part. Donc, acheter hors marché. Envoyer des lettres à des successions, à des boomers, des personnes âgées un peu plus, qui ne veulent pas faire visiter à 50 personnes, qui veulent pas, qui ont payé ça 51 000 en 77, qui vendent 500 000 aujourd'hui ou 550 000 sur le marché, ça ne leur dérange pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est rapido presto. Ils m'appellent, ouais, t'achètes vite, pas de conditions, pas de visite, parfait, c'est beau. 500, oui, c'est beau. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus comme ça cette année. Fait que, honnêtement, j'aime beaucoup dire que la plateforme Mon Prospecteur aussi, elle vient démocratiser aussi l'accès au marché caché, parce qu'on ne se cachera pas, là, même pas 10 ans, je veux dire, on n'était pas, on était une couple, on était vraiment très restreint à connaître cette façon-là de prospecter. Aujourd'hui, on a beaucoup démocratisé ça. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça va, Aziz, là, que même si l'augmentation des taux d'intérêt, ça ne va absolument rien changer du tout sur le flip d'offres d'achat. Pour répondre vraiment à ta question, le flip d'offres d'achat va devenir extrêmement plus populaire. Tu sais, on s'entend que moi, Aziz, là, moi, comme flipper, comme vendeur de promesses d'achat, si je vends des investisseurs, ben, il faut que je laisse de la place au suivant. Tu me suis, dans le sens que si je fais mon 10 000 en vendant PA, puis je vends un gars qui va rénover, qui va flipper, puis il va faire son 50 000, ben, il faut qu'il fasse son 50 000. Tu sais, je veux dire, il faut que je laisse de la place au suivant. Mais on jase, là, Aziz, puis sa plateforme, j'ai plein, plein, plein de. Prenons l'avatar que je vous nomme, le Samuel et Catherine, qui ne sont pas capables d'acheter une première propriété. Ils ont les RAP bien pleins. Ils ont le nouveau CELI là, pour acheter une propriété bien plein aussi. Puis eux, ils vont aller l'acheter, ils vont la financer bancaire, puis ils vont aller l'habiter pendant un an peut-être. Sais-tu comment ils peuvent payer cher nos PA, ces gens-là? Bien plus cher qu'un investisseur, bien plus cher qu'un flipper. Fait que moi, je pourrais bien dire, écoute,
vu que j'ai juste un bassin-là d'acheteurs qui veulent être des propriétaires occupants, ben, je peux peut-être augmenter mes critères. Si tu m'as suivi beaucoup mon contenu, Aziz, là, tu sais que j'achète à 70% de la valeur marchande. Mais là, si je peux monter à 80% de la valeur marchande, parce que je sais que j'ai des acheteurs qui vont aller la financer bancaire, puis qui vont l'habiter, puis qui vont la rénover eux-mêmes. Mon gars, les métriques ne sont plus les mêmes du tout, du tout. Fait que moi, je pense que par rapport à ta question, là, même si les taux d'intérêt augmentent, je pense que ça va même faire en sorte que acheter des promesses d'achat va devenir encore plus populaire. Puis on va aller chercher un tout autre marché. Puis là, c'est ma job d'éduquer le monde aussi. Hein. C'est ma job à moi d'éduquer le monde pour savoir parce que c'est. Quand je vois tout le monde, hein, puis, le petit couple, là, je dis, j'en ai vendu des maisons à des petits couples, là, des Samuel et Catherine, là, puis ils sont super contents, là, puis ils ne savaient pas que ça existait, puis ils n'avaient pas les moyens nécessairement de tout mettre en place, la machine que moi j'ai créée. Mais là, ils disent, ah, Chris, Jean-Nic, man, j'ai fait ton défi, puis man, c'est brillant, c'est ton affaire. Là, j'ai compris pourquoi que ça vaut à peine que je te donne 5, 10, 15, 20, puis 25 000 pour ta PA, avec tout ce que tu fais, puis la machine que tu as mis en place, puis moi, de toute façon, je n'ai pas moyen d'acheter autrement. Là, je vous ai centré, ça n'a même pas rapport. Là. Fait que j'aime bien mieux acheter de toi, puis je comprends. V'là ton 25 000 pour la PA, puis ça vaut la peine. T'sais. Moi, je pense que ça va juste être mieux pour nous autres, Aziz. On peut t'appeler pour des conseils. Si je dis oui live comme ça, mon téléphone dérougira pas Marc-André. En fait, la façon d'avoir accès à moi, c'est évidemment dans mes groupes. Donc, moi, je suis disponible dans l'offre que j'ai actuellement. Ben, c'est tout commence par un deal. Donc, c'est de l'encadrement pour un bloc de 6 mois. Je suis conséquent. Je vous le dis que ça va prendre 6 mois faire un deal. Donc, je vous accompagne pendant 6 mois de temps. Donc, c'est la façon d'avoir accès à moi, et mon équipe. Du one-on-one, j'en fais un peu, une fois de temps en temps, mais c'est pas. En fait, encore là, j'en fais à des gens qui sont dans le groupe. Okay? Donc, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, Marc-André, ça va me faire plaisir. Tag-moi sur Messenger. Faire one shot deal, 1 heure, honnêtement, c'est pas quelque chose qui me passionne tant que ça. Là. Je vais le faire, c'est cool, mais c'est pas un modèle qui est très scalable de faire des heures de privé. Mais je fais du groupe. Fait que si tu rentres dans mon groupe, tu vas avoir accès à moi, à mon équipe. Toi, tu as un clic de pouvoir me parler. Donc, c'est vraiment là que je mets la ligne là, pour avoir accès à moi, je te dirais. Excellent, gang. Fait que, d'autres questions? Rendu les 7, on est en train de déborder. Donc, j'ai essayé de garder ça plus concis. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Partagez la vidéo. Ah, quel groupe? Le groupe Marc-André, en fait, c'est le groupe qui commence par un deal. Donc, actuellement, évidemment, comment j'ai accès à ce groupe? Envoie-moi un message, Marc-André, Jean-Nicolas Lacasse sur Messenger. Habituellement, c'est les gens qui avaient fait mon défi de prospection c'était une offre que je faisais suite au défi. Là, on est un petit peu changement, en repositionnement, c'est-à-dire que le défi, il change de forme, de structure. On est en train de le refaire. Donc, pour le moment, si tu veux qu'on s'en parle, ben, rentre en contact avec moi, je vais t'envoyer un lien, on se prendra un rendez-vous, puis on regardera comment on peut travailler ensemble. Dans un futur approché. Great guys, fait que je remets le lien. Fait que tout commence par mon prospecteur parce que si on n'a pas de data, on n'a pas de lead, il n'y a rien qui va bouger. Donc, ça commence par là. Donc, je vous remets le lien. Une fois que vous souscrivez à l'essai gratuit, ben là, vous allez embarquer dans mon funnel. Donc, vous allez avoir mes courriels, vous allez avoir les accès à différents produits, différentes choses que j'offre. Puis vous allez pouvoir être en contact avec mon équipe. Donc, c'est là que ça commence. Donc, écoute, je sais que cette vidéo-là, des fois, il tombe dans l'oreille d'une personne qui est ah, Steve, man, c'est ça que j'avais besoin d'entendre, c'est ça que j'avais besoin de voir. Fait que partagez-le. Fait que si vous écoutez mon vidéo, puis je vous invite à le partager avec du monde, des gens qui veulent vivre de l'immobilier, des gens qui veulent faire du cash avec l'immobilier sans nécessairement changer de job, mais bref, qui veulent faire de la prospection, un petit sideline. Donc, cette vidéo-là, j'ai beaucoup de témoins, il peut changer des vies. Donc, les gens me voient dans mon deal en direct, s'abonnent, consomment mon truc, puis finalement, ils changent de job, puis ils vivent de l'immobilier. Donc, n'ayez pas peur de partager mon vidéo. Vous allez rendre service à beaucoup de monde dans votre entourage parce que j'ai beaucoup de gens qui, oui, ils m'ont trouvé par le deal en direct, ils ont rentré sa plateforme, puis ça n'a même pas pris un an, puis ils vivent de l'immobilier aujourd'hui. Donc, partagez, vous allez faire des gens heureux autour de vous. Donc, sur ce, moi, je vous quitte. Merci beaucoup d'avoir été présent. On se revoit la semaine prochaine. On s'en va la semaine prochaine ailleurs. Je ne sais plus trop, on s'en va où? On s'en va où la semaine prochaine? La semaine prochaine, on retourne Oh, la semaine prochaine, on fait un petit spécial. On fait un spécial sur les courtiers immobiliers. Donc, un spécial courtier immobilier. Donc, vous avez des amis courtiers immobiliers, partagez le lien. Ça devrait être quelque chose de très cool. Donc, bonne prospection.